qu'un problème est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus, mon frère, te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. J'aimerais vraiment partager avec vous la parole du Seigneur ce soir. Je veux saluer aussi celui ou celle qui nous rejoint peut-être pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Nous allons ensemble lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien, dans Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Éphésiens, au chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 19. Amen. Donc, ce texte nous dit, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont, en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre,
en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vraiment nous rappeler, vous rappeler ensemble, celui ou celle qui ont cru, ceux qui ont cru et accepté Jésus dans leur vie, nous nous trouvons maintenant à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est spirituellement dont je vous parle. Le fait d'avoir accepté Jésus dans notre vie, eh bien, nous faisons partie maintenant du royaume de Dieu. Paul nous dira même que nous ne sommes plus étrangers, puisque nous sommes gens de la maison de Dieu. Celui ou celle qui a accepté Jésus dans sa vie, nous sommes frères et sœurs et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais j'aimerais ce soir, pour vous encourager, nous rappeler ensemble qui nous étions, comme le dit dans ce texte, qui nous étions avant de connaître le Seigneur. Parce que justement, nous devrions vraiment dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos pensées. Parce que nous allons ensemble nous rappeler qui nous étions avant. Et faire le point ce soir en disant, Seigneur, quelle grâce, quelle joie de t'appartenir. Et ici, Paul, en fait, il va nous citer 5 termes dans ce texte. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez perdus. Je voudrais vraiment me souvenir qu'à l'époque, à ce temps-là, j'étais perdu, avant de connaître Jésus. Au verset 12, il va dire, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans espérance. L'incroyant, celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en l'existence de Jésus-Christ, il n'a aucune espérance, aucune vision d'aller auprès de Dieu. Leur unique paradis, frères et sœurs, se trouve ici-bas, dans ce monde de souffrance, de guerre, de maladie, de mort. Pour eux, en fait, leur vie, elle commence ici-bas et elle se termine ici-bas. Ils n'ont aucune espérance. Et c'est pour cela que Paul nous rappelle, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans espérance. On était sans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ce que nous étions, frères et sœurs. Il va dire même dans ce verset, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Dieu dans le monde. Eh oui, le fait de ne pas avoir accepté Jésus, nous étions sans Dieu. Et pour autant, regardons ce qui est écrit ensemble dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Mais c'est incroyable pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, amis. Incroyable de voir qu'autant de gens puissent vivre sans Dieu. Leur créateur, notre créateur, celui qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Et quand nous regardons autour de nous, nous disons, mais c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ils n'ont aucune espérance d'après la mort. Ils n'ont aucune espérance. Pour eux, leur vie se termine ici-bas après la mort. Pour eux, après la mort, il n'y a plus rien. C'est triste, c'est malheureux. Alors que Jean 3, 16 nous donne vraiment cette parole en nous disant, mais car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Et malgré cela, l'être humain que nous sommes, le psaume 14, verset 1 nous le dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui en fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Mais oui, l'être humain, l'homme ou la femme qui est sans Dieu, qui est sans Jésus, qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie, eh bien il est perdu. Il est perdu, elle est perdue. Sans Dieu, nous aussi, nous étions perdus et nous pouvons en témoigner qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions perdus. Nous étions sans espérance
Mais aujourd'hui, nous savons une chose. C'est le fait d'avoir crié à Jésus, de lui dire « Viens dans ma vie, Seigneur, et je veux te servir. Je veux vraiment que tu prends toute la place dans ma vie. » Alors à ce moment-là, l'espoir, l'espérance a pris toute une place. La foi a pris toute une place dans notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, heureuses de pouvoir dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous savons que nous allons vivre pour l'éternité. Troisième point, Paul va dire « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Sans Christ. Sans Jésus, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir accès au Père. Sans Jésus, notre vie n'a pas de sens. N'a pas de sens parce qu'en fait, nous comptons sur notre propre volonté, sur notre propre capacité. Alors qu'avec Jésus, il nous donne une force par son esprit. D'ailleurs, Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Et oui, mais ceux du dehors, ceux qui sont autour de nous qui n'ont pas accepté Jésus, eh bien, justement, ils sont perdus. Ils ne savent pas comment faire dans des périodes de crise. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas mettre leur foi dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas être encouragés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accepté le Sauveur. Et Jésus dira, justement, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 9, il nous est dit, « Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, Dieu est fidèle au moment du moment où on donne notre vie au Seigneur. Il est tellement fidèle qu'il est là, présent. Là où vous êtes, il est avec vous, dans votre maison, dans votre cœur. Et il nous demande d'être en communion avec son Fils Jésus. Amen. Et ne nous abandonne pas, Dieu est bon. Paul ira plus loin, il va dire même, « Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez privés du droit de la cité en Israël. » C'est-à-dire privés de communion. Nous étions sans communion. Une communion fraternelle qui nous unit avec tous nos frères et sœurs dans la foi. Une communion qui nous donne à vivre la vie de Christ puisque nous sommes tous membres du corps de Christ. Et c'est vrai que nous formons une famille avec nos frères et sœurs, la famille de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 3, il nous est dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons, nous vous l'annonçons à vous aussi. » Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus, son Fils, et avec, pardon, son Fils, Jésus-Christ. Amen. Notre communion, c'est d'avoir des frères et des sœurs ensemble. Nous partageons la même foi, nous prions les uns avec les autres, les uns pour les autres, et nous partageons ensemble la présence du Seigneur. Et nous ne sommes plus seuls. Nous nous sentons plus seuls dans nos problèmes, dans notre situation, dans nos épreuves. Pourquoi ? Parce que nous avons la foi que le Seigneur est capable de nous relever dans les moments difficiles. Parce que nous savons que nos frères et sœurs, eux aussi, dans l'épreuve, ils crient à Dieu. Et nous savons que Dieu répond aux prières. Et nous savons que nous avons le Dieu qui guérit, qui délivre, qui libère, qui relève. Alors ensemble, nous nous encourageons les uns les autres. Et nous témoignons de la puissance du Seigneur dans notre vie. Et oui, nous avons cette communion, cette grâce, parce qu'en fait, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous étions, frères et sœurs, sans église. Nous étions dehors, en dehors du corps. Mais l'église est composée de nouveau-nés. Nous sommes tous nés de nouveau, unis ensemble par un seul et même esprit, par un seul et même corps, le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit, nous avons tous, en effet, étaient baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, mais nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Jésus-Christ est là pour nous unir. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de pensée ou de culture différente. En Jésus, nous avons tous la culture céleste. Nous avons tous le même Père, Dieu le Père, le Créateur. Nous avons tous le même Sauveur, Jésus-Christ.
Parce que si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, si nous croyons en l'existence de Dieu, alors à ce moment-là, nous avons tous la même destinée, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et nous avons tous des frères et sœurs dans le monde entier qui partageons la même foi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Amen. Et Paul va dire un autre point, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans connaissance, frères et sœurs, de la volonté de Dieu. Ceux ou celles qui rejettent le Seigneur ne savent pas la volonté de Dieu, ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. C'est pour cela qu'ils sont complètement perdus. Quelle est la volonté de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous, selon vous, frères et sœurs? Si nous lisons dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et oui, accepter Jésus, c'est être sauvé. Le servir de tout son cœur, c'est vraiment travailler, c'est communier, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il nous est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. » Alors proclamons autour de nous que Jésus-Christ est vivant. Frères et sœurs, n'oublions pas d'où nous étions avant. Et dis, Seigneur, c'est vrai, avant de te connaître, quand je regarde, je compare ma vie avant de te connaître et aujourd'hui, eh bien, je peux dire oui, Jésus-Christ est vivant. Eh bien, à ce moment-là, redonnons aux autres vraiment cette joie de vivre. Mais nous ne devrions pas copier sur le monde, nous ne devrions pas rechercher ce qu'il y a dans le monde pour essayer de combler quoi que ce soit dans notre vie, puisque nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Romains chapitre 12, verset 2, il nous est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est à nous, frères et sœurs, de vouloir vraiment rechercher la volonté de Dieu. Mais ne vous conformez pas, nous dit ce texte, au siècle présent. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus. Oui. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 31. Il nous est dit, écoutez bien, ou lisons ensemble si vous voulez. Donc Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein, vous et moi, frères et sœurs. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Oui, Dieu créateur de toutes choses. Il m'a créé personnellement. Il a créé le ciel, la terre, le soleil, tout ce qui s'y trouve. Mais qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Tout est possible à Dieu. Et c'est pour cela que j'ai la joie dans mon cœur. C'est pour cela que je peux dire oui, avant de connaître le Seigneur, j'étais complètement perdu. Mais aujourd'hui, je peux dire tout devient possible dans ma vie parce que j'ai foi en Jésus-Christ, parce que Dieu est mon Père, parce que je sais qu'il est là et qu'il m'environne de son amour. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes celui ou celle qui a choisi Jésus dans sa vie, qui a accepté Dieu dans son cœur. Eh bien, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Et oui, frères et sœurs, nous ne sommes plus étrangers. Et quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, il nous est dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, frères et sœurs. Ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Regardez la suite.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, les frères et sœurs, tous ceux qui partagent la même foi ensemble, tout l'édifice ensemble, l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et oui, frères et sœurs, nous sommes en route ensemble vers une nouvelle destinée, le royaume de Dieu. Et nous le vivons déjà. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes son temple. Quelle joie, quelle grâce pour nous de pouvoir vivre cela. Et mon dernier texte ce soir, mon dernier verset, et nous allons le lire ensemble, dans Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6, j'ai pris la version Semeur. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et plein de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Amen. Et oui, savoir comment répondre avec à propos à chacun, c'est-à-dire en fait de pouvoir donner des paroles justes, de voir de donner des paroles selon ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce que nous ne savons pas le cœur des uns et des autres, mais Dieu le connaît. Et là, pendant les périodes de fête de fin d'année, nous allons peut-être rencontrer les membres de notre famille, nous allons peut-être les avoir au téléphone, peut-être les avoir à la maison, peu importe. Mais que le Seigneur puisse vraiment conduire notre cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et oui, soyons sages et toujours avec cette empreinte de la grâce de Dieu, cette joie de vivre où nous avons des paroles pleines saveurs, comme nous dit ce texte, et nous allons pouvoir donner du goût aux autres. Quand ils vont nous dire, mais comment tu fais pour avoir cette joie, cette paix pendant ce temps de crise, etc. Et tu es toujours joyeux avec des paroles qui encouragent. Et bien vous allez pouvoir témoigner en disant, parce que Jésus-Christ est mon sauveur, je l'ai accepté dans ma vie. Et je sais qu'avant de connaître le Seigneur, eh bien, je ne pouvais pas dire cela parce que j'avais un cœur qui était perdu. Mais aujourd'hui, j'ai la joie dans mon cœur de te partager l'amour de Dieu, son Fils Jésus qui est venu dans ma vie. Amen. Et que nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et transmettez l'amour autour de vous. Invitez vos enfants, vos proches et bénissez-les, encouragez-les, vos parents et dites-leur combien Dieu les aime. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et je vous remercie encore. Partagez ce temps-là, ce lien, cette prédication, ce message, partagez-le autour de vous et semez la bonne nouvelle et dites aux autres combien Dieu les aime. Amen. Soyez bénis et bonne soirée à vous, frères et sœurs. Au revoir.